Bonjour, nous sommes samedi, il est midi, là on va manger, on a été invité chez ma maman. Et en même temps, vu que nous sommes le 30 novembre, c'est ça, il faut que je lui dépose le calendrier de l'Avent pour qu'elle puisse commencer à ouvrir dès demain. J'avais même pas capté, mais moi aussi j'en ai un, même un très beau. Tout est là, j'ai tout fait ce matin au niveau des emballages. Heureusement que je m'étais pris avant pour la sélection des cadeaux. Voilà, tout est ici. Comme je vous avais dit, je vous les montrerai en vlog. Ma belle couronne de Chambord que j'ai faite, eh bien, elle va être offerte aussi. Hier, c'était vraiment... Ah bah si, vous avez vu un petit bout. Travailler comme je fais en flux tendu, c'est-à-dire j'ai filmé en fait toute la journée de jeudi. Je suis rentrée tard, comme vous avez vu. Et dès le vendredi, toute la journée était montée, quoi. Ça prend un temps. Je vous dis, ça prend 5-6 heures. Et par contre, là, j'ai lu tous vos commentaires. Ça me fait hyper plaisir. Je vois que cette vidéo vous a beaucoup plu, vous a même fait voyager. Donc ça, c'est vraiment cool. Un parmentier de canard. Ok. Et en plus, on va se régaler. Non, on va se régaler, là. C'est fait. Pourquoi tu les as coupés? Eric, il va pas être content. C'est parce que quand on coupe les gâteaux. Ben, je suis désolée, mais il va pas manger un truc comme ça. Pourquoi? Bon, bah, c'était exceptionnel. Vraiment, le parmentier de canard. Pff. Excellent, je vous montre. Voilà, tout est ici. Bon, il n'y avait pas de place, j'ai mis les autres, les plus gros. Et puis, comme prévu, bah, je vous montrerai tout ça. Voilà, j'ai installé tous les petits indices. C'est tout mignon. Vous savez ce qui s'est passé? Bon, attends, je suis en train de détartrer ma cafetière. On est rentré de chez ma maman, donc il devait être 14h30. Je suis tellement naze, je crois que j'ai une dette de sommeil, comme j'avais fait une insomnie la veille d'aller à Chambord. Je me suis allongée pensant, juste 20-30 minutes, tu parles. Il est 6h moins le quart. Bon, ça m'a fait du bien, mais bon. Mon après-midi un peu... Non, mais qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a. Et voilà, donc là, je détartre et je vais me poser tout son soir. Ça va être tranquille, bilou. Salut, c'est le lendemain matin, dimanche. Hier soir, Eric m'a proposé, il m'a dit, ça te dit demain? Je vais t'inviter au resto et on va se balader parce qu'en fait, ça y est, on est le 1er décembre et tous les magasins, en tout cas de centre-ville, sont ouverts. Donc ça peut être sympa. Et calendrier, est-ce que je l'ouvre là? Est-ce que j'ai le temps? Clarence? Ouais, ou non, je vais le faire maintenant. Alors, c'est assez sombre parce que on a pas réouvert les... On a fermé les volets. Je sais pas à quelle heure on va rentrer. Donc Clarence, pour ceux qui n'ont pas suivi, par contre, il est un petit peu biscornu, tu vois. Ah, bah le voilà. Case numéro 1. C'est ici. Oh, c'est long, dis donc. Est-ce qu'il y a des indices? Routine hydrate. Ah bah si, une peau plus pulpeuse en 60 secondes. Ah ouais? Bah écoute. Pas mal, format sympa. Crème désaltérante. Ça sera utilisé sans problème. Oh cool. Bon bah voilà. Le calendrier de l'Avent, donc ma maman, case numéro 1. Je peux vous montrer parce que je m'étais acheté le même, vous l'avez peut-être vu déjà, le sublime coffret d'Aman en collab avec Versailles. Inutile de vous dire qu'elle a adoré avec du thé vert, du thé noir et différentes infusions. En plus, c'est un très bel objet. Et j'allais oublier le calendrier de l'Avent qu'Eric m'a pris, princesse. Je vais l'ouvrir quand même. Par contre, je crois que j'ai eu peur d'avoir froid, mais qu'est-ce qui tient chaud ce... Il est joli, hein. Qu'est-ce qui tient chaud? On va revenir tout à l'heure, il le sait, il sent quand on s'en va, donc princesse. Qui est déjà sous le sapin. Je suis en train d'ouvrir ton calendrier. Et alors? Bah je sais pas. Bon, attends, je suis en train, je t'ai dit. Oh, tu peux faire un petit décor. C'est tout mignonnette, c'est Ariel. Je pensais que ça allait être un tout petit format. C'est mignon, c'est correct. Attends. Je lève ça. Ouais, voilà, pour faire un petit 3D. Ça ne tient pas des masses. J'ai goûté alors. Voilà. Bon, elle est drôlement belle, hein. Tu te rends compte tout ce qu'il y a dans une seule case? Laisse-moi faire. Ouais. Oh. Quoi? Je crois qu'il y a un téléviseur 16/9. Bon, bah allez, on file parce qu'il est 11h49. Pourquoi quoi? Ils ont donné un nom de blessing à une princesse. Oh. Oh, fais la tête. Non, on va revenir, ça bijoute. Tu veux aller où? Ah non, c'est toi qui décide, je te suis. Bah, on peut. Tu veux qu'on aille au Grand Monarque? C'est toi, je te suis. Allez. Ils font des jolis cocktails, je trouve. C'est vrai. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu plus froid, donc ça va, c'est pas mal. Hein. Ouais, j'ai de nouveau changé ma coiffure en chemin. Ah, ça fait du bien de sortir. Oh. Tu veux te mettre soit là. Là-bas, tout au fond. Allez.
je n'ai jamais mangé de Saint-Jacques aussi bonne. Mais vraiment, hein. Les petits légumes, croquants. Je lance ça. Exceptionnel. Sincèrement, je préfère un avion, putain. Alors, donc là, en fait, c'est un soufflé. Oh là, vas-y, tape ton grand marnier. Oui, et non, il goûte. Souffle bien. Un nuage. C'est impressionnant, hein. Au revoir. Eh ben, c'est plus que régalé. Merci pour cette jolie invitation. Top, top, top. Oh, attends. Chaque fois, ils ont des petites vitrines. Il me semble, des fois, il y a des très beaux sacs. Attends, je regarde un truc. Quoique le Black Friday, ça finit aujourd'hui, je crois. Il y a souvent des petits sacs. Marc Jacobs, voilà, c'est plutôt Marc Jacobs. Allez, il m'attend. On est passé chez Sephora. Chaud, chaud, chaud. Calzedonia, il y a toujours des très, très, très beaux modèles. Ouh, c'est beau, ça. Il faut que je regarde, bébé. Je peux y aller, vite fait? Bah, tu peux... oh, ouais, j'adore ça. Comment? Je vais faire que tu m'appelleras quand... Ah bah ok, on fait ça. Yes, bisous. J'ai trouvé deux modèles de collants très sympas pour les fêtes, mais pas que. Hein. Est-ce que je vais chez Kouchara? Non. Tout est ouvert quand même, hein. C'est cool. Oh, mignonnette ça. C'est la vitrine de Kouchara. Mais c'est les parkings sont pas extraordinaires par contre. Très joli. C'était le Black Friday en tout cas chez eux. C'était, c'est jusqu'à aujourd'hui en fait. Il y avait 20% sur toute la boutique. Et c'est faux, bah c'est faux, il y a eu aussi des petites promos. Ah oui, non mais c'est génial, on est allé se promener donc en voiture, puis là on est arrivé à Illiers-Combré. Et comme il y a quelques petites boutiques ouvertes, dont celle-ci, c'est une friperie. Et en fait on est allé histoire de se balader, et là en fait ils avaient, elle a dit c'est exceptionnel pour le Black Friday, du Nike. Neuf, qu'elle faisait 50%. 60 euros. Ouais, écoutez, 60 euros, donc on l'a eu à 30. Ouais. Bah, c'est en plus, c'est ce que tu mets. Hein. Bah, c'est ce que je mets. Ah non, très bien. C'est t'as le cru petit que c'était Marcel quelqu'un. Proust. Ah oui, parce qu'on est à Illiers-Combré. C'est l'enfance de Marcel Proust. Alors, c'est quand il allait chez sa tante Léonie. Chez sa tante Léonie. Il n'habitait pas ici. Mais l'été, des fois, on venait là pour manger la fameuse Madeleine. Ouais. Revisiter la Madeleine de Proust. De retour. Il est 18h, c'était tellement chouette cette journée. J'ai très peu filmé dans Chartres, parce qu'on n'a pas non plus fait 15 000 boutiques. Je vous montre donc chez Sephora. Donc il y avait des rayons. Ah bah j'ai eu des petits cadeaux, tu vois. J'ai repris, je n'ai plus du tout de shampoing. J'ai fait mon shampoing ce matin et je l'ai terminé. Je vais prendre donc le shampoing de chez Olaplex. Moi je prends la gamme Olaplex pour le numéro 3, c'est celui que tu mets juste avant te laver les cheveux. Et je l'aime beaucoup, donc je vais tester avec le shampoing, voir si ça fait des miracles. Je suis désolée parce que j'ai toujours mon truc qui descend. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ça. Mais je trouve que ça fait quand même bien le job. Eric, lui, il s'est repris, il n'en avait plus du tout. Son parfum Sauvage Dior, je crois qu'il y avait 25%. Et bah moi, je me suis pris un fond de teint parce que je n'en avais plus et j'adore tester des nouveautés. Donc j'ai pris Huda Beauty. C'est le Easy Blur, fond de teint, airbrush naturel, qui ne doit pas être super couvrant par contre. Et la teinte, c'est crème brûlée. Je vais le mettre demain, donc vous le verrez donc dans cette vidéo. Attendez pendant que je vous ai. Vous savez que j'ai dit que j'allais faire des lives donc, sur YouTube. Et normalement, le premier, c'est demain. Je dis demain parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, c'est lundi. Donc demain, mardi, 18h. En direct, je serai en direct sur YouTube en espérant que ça fonctionne parce que comme je vous ai dit, c'est la première fois que je vais faire un live et je voulais savoir donc si vous faites et s'il y en a parmi vous qui faites des lives sur YouTube, dites-moi, parce que là je l'ai programmé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner sur le truc ou automatiquement j'aurai un lien? Et surtout pour que je puisse, pour les personnes qui ne pourront pas être là en direct, pour qu'ils puissent le voir en replay, qu'est-ce que je dois faire pour pas louper? Est-ce que je dois programmer quelque chose avant? Après, il faut que j'appuie sur quelque chose? Dites-moi tout ça, s'il vous plaît. Ça serait cool. Et donc, c'est mardi. Voilà. Donc, j'ai eu... Qu'est-ce qu'ils ont donné? Une petite trousse Sephora, je pense. En cadeau. C'est mignonnette. La matière est drôle. C'est comme un plumier. Chez Calzedonia, pareil, il y avait des réductions. J'ai pris deux modèles. Donc, le modèle expo... Enfin, en vitrine où je voyais le mannequin. Voilà. J'adore la découpe. J'espère que ça rendra aussi bien parce que quand même elle est très 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 fine la fille. Au niveau des genoux, j'ai pris un 2. Et j'ai pris ce modèle pied de poule. Ça c'est pas mal aussi. Hein.
Voilà, toujours taille 1-2. Et c'est tout. Déjà pas mal au niveau des achats. Si, j'ai pris autre chose, mais c'est un cadeau, donc je peux pas montrer. Et là, ce soir, ça va être soupe, je pense, pour moi. Cresson. Ouais, je vais pas trop manger. Et je vous reprends vite fait parce qu'en fait, bon là, j'ai mangé ma petite soupe. Je suis en train de regarder la saison 7 d'Outlander. Ah, c'est vraiment l'ambiance propice pour regarder. Non, non, non. Lundi matin, enfin midi, mais je n'aime pas du tout le bruit que ma caméra fait à l'ouverture là depuis 2-3 jours. Elle fait un bruit de fatiguée, elle est neuve, hein, elle a 4 mois. Donc je vais voir si je peux la dévisser, je sais pas, nettoyer. Sinon, ouais, donc midi 20, Eric lui finit les cours à midi 30 et je crois qu'il a genre 20 minutes pour manger, donc ça va être rapide. Ma tenue, col roulé, je l'aime bien celui-là. Pourtant, vous savez, je déteste les choses qui me serrent le kiki. Ça, peut-être parce que c'est souple. C'était collection automne il y a... je sais plus quand, enfin bon. Il est joli, je trouve, avec mon jean. Et bah, le calendrier, bien sûr. J'avais perdu le fil, bien sûr qu'il y a le petit calendrier. La maison, la princesse et... ah oui, j'avais oublié. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y avait ça aussi chez Ange, avec une surprise tous les jours. Mais par exemple, si t'as, je sais pas, je veux dire, un pain au chocolat, acheter un pain au chocolat offert, c'est le jour même, sinon ça marche plus dès le lendemain. 3 baguettes achetées, 3 baguettes offertes, oh, c'est beaucoup. Tu me diras, tu peux les congeler. Ah, c'est de nouveau une grande case. Une grande boîte, pardon. Routine visage, la crème du démaquillage, étape 1. Encore un beau format, hein. Les velours démaquillants extraits de gentiane jaune et de mélisse des Alpes, format 50 ml. Pas mal, hein. Et la petite princesse, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Encore faut-il que je la trouve. On est toujours dans l'univers de la petite sirène. Si je me souviens bien, c'est Polochon. Et le cadeau du calendrier de ma maman aujourd'hui. Alors attendez, j'avais fait des photos. Voilà, donc l'emballage, je l'avais acheté chez 4 murs. C'est un petit bloc-notes que je trouve particulièrement joli. Voilà, qui ressemble à ça. Il y a le crayon une fois que c'est ouvert. Et ça lui a bien plu, c'est toujours très pratique. Bon, bah c'est plutôt pas mal en tout cas, moi, Clarins, contente. Hein. Bah d'ailleurs, ah bah attends. Petit point, le fond de teint, je l'ai mis. J'avais peur au début qu'il fasse ce côté où il pénètre jamais et qu'il fasse une épaisseur. Et en fait, quand tu le travailles, il est très très bien. Moi, il me plaît, il est confortable. Et j'ai également utilisé la crème de jour désaltérante de Clarins, là, que j'ai eu dans la case numéro 1. Génial. Vraiment. Et je pense qu'elle serait encore mieux placée au frigo. Tiens, faut que j'y pense. Bon, voilà. Je vais arrêter maintenant ce petit vlog et bah, on se retrouve demain mardi pour un direct sur YouTube à 18h en espérant encore, je me répète, mais que ça fonctionne. Et mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Ça sera off en fait les week-ends. Même si je filmerai, mais il n'y aura pas de parution le samedi et le dimanche. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous embrasse. Tu dis au revoir, Jack. Oh, il fait la tête. T'es beaucoup, moi. T'es beaucoup. Pourquoi tu tournes la tête à sa mère? Faut pas faire ça. Hein? Ben voilà, là je préfère. Allez, ciao tout le monde.